Hola les amis! Bonjour! Alors, programme. Petit sandwich, je vais aller manger là-bas. Je vais bivouaquer au lac de Millefonds. Voilà, donc je vais pas faire. Alors mon sac pèse une tonne, donc je vais pas faire une rando. Je vais juste me balader. Voilà. Je vais me balader. Attends, je vais passer par là. Je vais me balader, puis je vais. Voilà, tranquillement, je vais monter à Val-de-Blore. Et puis je vais aller poser mon camp en trouvant un petit spot vers le lac. Toutes les années, je sais pas pourquoi il y a plein de poissons morts ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 poissons morts quoi. C'est fou cette histoire. Regardez cette pauvre petite truite, elle est toute dure. Qui est arrivé. C'est fou, hein. On entend bien la cascade, la grande cascade quand on monte. Ah, mais si, on la voit la cascade bien. Voilà les amis, petit café en terrasse. Un petit café, donc là, voilà, avant d'aller rejoindre le campement. Je connaissais pas du tout cet endroit, c'est magnifique. Magnifique, magnifique endroit, très très ressourçant, très zen, avec un courant d'air juste au top du top, magnifique. Voilà, restaurant l'eau à la bouche. Et ben, voilà, le restaurant se trouve juste au-dessus.
Si mes souvenirs sont bons. Oui, il y a un autre lac en dessous en fait. Il y en a un autre juste en dessous. Oh, regardez les vaches là-haut. Alors, on les entend, mais vous les verrez peut-être pas. C'est le problème de la GoPro, hein, c'est que pour zoomer c'est chiant et puis bon. Voilà. Ah, les amis, YouTube a décidé, c'est quand hier et ce matin j'ai vu ça, à partir de la fin du mois, le 28 juillet, nous ne pourrons plus cacher nos amis. Ça veut dire que toutes les chaînes YouTube seront obligées de montrer les amis. Allez, cassez-vous. Allez, dégage, avec du vent. Allez, toi aussi, tu dégages. Allez, toi aussi, allez, vous dégagez, je veux plus vous voir. Vous retournez en Allemagne tout de suite, hein. Sinon, je me mets en colère, hein. Extrêmement bon, mais un truc de fou quoi, chaud, froid. Oh, il fait bon. Regardez ça, elle est très très belle cette église. Ah, je vous jure, on a l'impression d'être dans un frigo, mais vraiment quoi, c'est fou. Regardez ça, ça date vraiment du Moyen-Âge. Je vais essayer de voir. Ça doit être écrit quelque part. Regardez ça, c'est une voûte, c'est incroyable. Bon, ça a été rénové, mais on voit quand même que... Regardez cette petite merveille, les amis, nous arrivons bientôt. Voilà.
de Blore. Je suis pas tout seul. Je sais pas si tous ces gens. Je pense qu'il y a quand même pas tous ces gens qui vont bivouaquer. Mais il y a du peuple. Hein. Voilà, c'est parti. C'est parti. Je vous dis pas le poids du sac. Ah, le sac, il... Ah, je pense que je vais arriver là-haut, je vais... J'aurais bien mérité le repos. Je suis parti à 16h pile. J'hallucine, il est 16h10. Regardez déjà tout ce que j'ai fait. Le parking, il est tout en bas là-bas. Je pense que d'habitude, revient vite. Ouais, il est 16h11. Bon, vous avez vu que j'ai pris des bâtons alors que d'habitude... Bon, là, je suis dans la partie la plus raide, je crois. Après, il y en a une autre un peu si je vais au deuxième lac. Et je pense que je vais aller au deuxième lac. En fait, vous voyez quand on voit ça, et de savoir qu'on redescend pas et qu'on va passer la nuit là-haut, et ben on se sent mais tellement vivant, putain. Privilégié, en fait, le vrai mot c'est privilégié. C'est ça. Extrêmement chanceux. Je suis tellement content. Je suis tellement content d'être là-haut. Derrière. Bon bah les amis, je suis arrivé, le lac il est là et il est 16h35. Aïe 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 les amis. Bon, vous savez quoi? Aïe aïe aïe. Oh, ça fait très très mal aux pieds. Ah, je suis en train de changer d'avis là, vous voyez. Parce qu'il y a toujours ce nuage, il y a un vent qui me souffle dans le dos, je suis trempé. Et franchement, elle est un peu fraîche. Bon, je fais ma chouchotte. Ouais, je sais, je fais ma chouchotte. Mais bon. Ça mord ? Ça va. Juste quand je dis ça, il prend sa canne. Oh, je suis bientôt arrivé. Je commence à avoir faim. Oh, l'apéro que je vais me faire, les amis, je vous dis même pas. Travail mérite salaire. Voilà. Il est là, moi, mon salaire. Il est largement mérité. J'ai pas vu une seule marmotte. Pas d'animaux, rien du tout. Bon, il y avait beaucoup de gens. J'ai croisé pas mal de monde qui redescendait quand même. Donc les touristes sont bien là, hein. Ou les vacanciers, les gens d'ici, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Oula. Oula, bah, il en a attrapé un beau là. Je sais pas si vous voyez quelque chose.
deuxième lac. Et voilà où je vais. Ah, marmotte. Ah bah enfin j'en ai vu une. Bon. Petit frigo. Voilà. Bienvenue à la maison. Et voilà. Donc autant dire que c'est grave l'heure de l'apéro. Donc allez, je vais aller récupérer ça. Regardez ce spot de rêve. Ça déglingue tout. Hein. Il y a un petit vent là, ça fait un peu chier. Mais... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Allez. Regardez les amis, juste derrière une petite supérette tenue par des marmottes hyper sympa, hyper gentil, un peu cher, mais franchement ça fait plaisir, on va pas se plaindre. Hein. Bon, finalement j'ai changé d'endroit, je me suis mis là parce que je suis abrité du vent et là-bas c'était effectivement bien plus joli, mais ah, si ce soir il y a du vent, ça va être infernal, je vais pas dormir. Donc là, je suis dans une cuvette, je suis bien. Et puis voilà, vu sur ce petit lac, c'est bien aussi, on est bien. Santé les amis. Mmh. Ah, que ça fait du bien. J'en ai l'eau à la bouche. Oh là là. Pas le sac, il était lourd. Petite boîte de pâté. Un petit pâté de campagne. Hop. Oh là 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 là. Oh non. Eh ouais. Allez, on se fait une petite promenade. Donc la maison se trouve ici, hein. Voilà, juste là. Ah ben il y a encore des pêcheurs. Donc il y a toujours le pêcheur là, puis il y en a deux autres là-bas. Chin. C'est pas du bain, c'est pas vraiment du bain. Ah, le kiff, elle est tellement bonne. Je suis à poil à 2000 mètres d'altitude. Salomon, qu'elle soit bien.
Ah, quel pied, putain. Quel pied, bordel. Ah, mais ça réveille. Hein. Ah, ça fait du bien. Regardez. Allez, avant que... Parce que j'ai pas de serviette. Avant que le soleil se couche, il fait tellement bon. Oh là là, on se sent vivant. On se sent vivant. Ah, ils sont toujours là. Oh là là, ouf. Ah, il y a du... Ouf. Putain. Ouf. Allez, on va pas rester trop longtemps là parce que... Ah, oh, ça fait du bien. Quelle merveille. Quelle merveille. Je rentre à la maison. Pas d'autre mot. Ça, ça devrait le faire. Et ben voilà, chicken curry, on reste dans le chicken curry et c'est très bien. Donc c'est Adventure Food et ben c'est la première fois que je le goûtais, je vous dirai ça. Hop. Bon ben voilà, le soleil est parti, fait plus... Bon, il fait bon, mais ma petite veste est de rigueur. Hein? Nos pêcheurs sont toujours là, hein. 8h30. Ça va, franchement ça va. C'est pas mal. Je vous fais voir. Finalement, je vois qu'il est toujours en train de pêcher. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Je suis arrivé, il était quoi, 5h? Il est 9h. Mais quand tu vois le prix du poisson, tu comprends, hein, je me dis le mec.
Quand tu vois les espèces de morceaux de truite qu'il y a, puis la truite c'est bon en plus. Et tu viens faire tes courses là, inflation, inflation, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Donc les mecs ils viennent faire leurs courses. Bon, c'est des passionnés de pêche. Ok! Mais c'est aussi des mecs qui viennent faire leurs courses, voilà. Ah bah, un autre petit lac juste là. Alors celui-là, il est bien vide. Après bouffer, c'est dur, hein. Voilà, 10h moins 20, on y voit toujours. Hein. Le pêcheur, il est parti il n'y a pas très longtemps, il est parti il y a 20 minutes. Et je pense pas qu'il avait de frontal, donc je pense qu'il y a le temps de rentrer. Voilà. Ben là, on apprécie bien le pull, la veste. Il fait pas froid, mais comme il y a un peu de vent, il fait un petit peu frais. Voilà, il fait très très bon. Je profite, ça fait une demi-heure que je suis là planté. Je sais pas si on voit, mais il y a un village qui est tout illuminé au bout là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est, aucune idée. Bon, je pense que la GoPro on verra rien, mais ça scintille de lumière, c'est super joli. Remettre contre le stress quoi. Allez, on va se coucher. Arrivé à la maison. Hop. 10h05. Bonjour les amis. Oh. Oh là là. Oh, bonjour les amis. C'est pas chaud du tout. Café et puis on remballe. Je sais pas si c'est parce que le soleil. Je peux vous dire que je sens bien le vent sur mes gambettes. Oh, il fait pas chaud. J'ai pas eu froid cette nuit, mais j'ai vraiment pas bien dormi par contre.
voit bien le vent sur le lac là. Toujours aussi beau. C'est une vraie merveille de se réveiller ici quand même. Bon bah je voulais faire un plouf dans le lac, c'est raté. Si je fais un plouf, je reste au fond. Le café, le café. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. Non, non, il y a un peu de vent, c'est tout. La maison qui part en cacahuète. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Et voilà les amis, il est 8h05 et je décolle. Voilà, je plie le camp, tout est propre, tout est beau. Comme à son arrivée, c'est ça le plus important. Voilà, merci petit coin de nature. Merci, merci, c'était vraiment magique. Voilà, c'est parti avec mon gros sac. Non, ben c'est bien, je prends en bas pour 9h. À moins que je m'arrête, que je traîne. À bientôt. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu. Pêche interdite. Lac des Mille Fonds là. Donc voilà. C'est pas interdit pour tout le monde. Il y en a qui s'octroient des privilèges. Bon voilà, je viens de descendre par là, là. Hop, tac, tac, tac. Le parking est là. Mais regardez. Regardez ça, c'est magnifique. Et là, j'ai l'impression qu'elle est. J'ai l'impression qu'on peut rentrer dedans. Le sac, il est là-bas, j'ai laissé. Ah, ça grimpe, hein. Heureusement qu'il y a les bottes, hein. Bon. Alors. Regardez comme j'en chie, là. Ah! Mais je pense que ça vaut le détour.
Ça me va mieux, comme je viens de dire. Voilà, il y a une petite cavité. Oh putain. Mais je vois toujours pas le trou. Non, mais j'ai pas. Il est encore au-dessus. Oh. Bon bah j'ai dû le rêver le trou hein. Je pense que ça doit être l'ombre, je sais pas, mais pourtant là-haut ça faisait vraiment. Oh c'est beau. Oh là 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 là. Magnifique. Ah mais rien que pour ça, ça valait la peine. C'est des aiguilles. Comme les aiguilles d'ortis. Oh là là, que c'est beau. Oh. Waouh. Magnifique. Superbe. Bon, eh ben, je ne sais pas comment s'appellent ces aiguilles. Les aiguilles de Val-de-Blore, les aiguilles de Millefonds, je ne sais pas. En tout cas, franchement, on passe devant tout le temps. Vous voyez, il y a tous les randonneurs là qui partent du parking. Voilà, vous voyez là. Et tout le monde monte. Bon, c'est vrai que ça grimpe, hein. Faut... Voilà, faut... mais c'est le résultat, on vaut la chandelle. Tellement beau. Bon, à la base, je suis monté parce que j'avais vu une grotte, mais j'ai dû l'imaginer. J'ai dû la rêver. Ah là là, je n'arrive pas à m'enlacer. Je ne peux pas m'enlacer. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Et ça, je l'ai fait en raquette déjà, le lac des Millefonds. C'est vrai qu'en hiver aussi, tout blanc, c'est rempli de charme. Hein. Bon, en fait, il n'y a pas de grotte. C'est des trous avec l'ombre. Et de loin, on a vraiment l'impression que c'est des trous.
Mais j'avais vraiment même l'impression qu'on voyait à travers. Donc, illusion d'optique, je sais pas. Trop picolé hier, peut-être. En fait, il faut faire comme les animaux, il faut vivre la nuit. Il faut vivre la nuit, partir dans des endroits tôt ou tard. Voilà. C'est le seul moyen d'éviter de croiser du monde. Moi, j'aime pas le monde. C'est encore plus beau de ce côté, je crois. Bon, j'ai repris le sac. Bon, le parking est juste là, hein, ça va, mais... Ah, regardez ça. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Bon, voilà, les amis. J'arrive au parking. Bon, bah voilà, je regrette tellement pas d'être allé voir ces aiguilles, là, ces roches magnifiques. Je vais rentrer, préparer le film. Et ce soir, je vais bien dormir. Parce que c'était une nuit un petit peu mouvementée quand même. C'était très calme, hein. Très très calme. J'ai pas entendu un seul bruit, à part là, un peu de vent, voilà. Un moment, si, juste un moment, il y a un ours qui est venu. Je suis sorti, j'ai mis un coup de tête comme ça. Je dis vas-y, dégage. Ici, tu vois pas que c'est réservé là. Donc il est parti, mais il a appelé ses potes. Et après, il y a des loups qui sont venus. Et j'ai pris le bâton, je fais comme ça, bon, c'est bon, ils ont bougé direct. Bon, ils savent qui je suis. Je pense qu'ils savent qui je suis. Ils se disent, attends, c'est bon, laisse tomber, c'est Nick. C'est Nickton Aventure, laisse tomber. Voilà, donc ici, je suis chez moi. Ok? Personne. Ce qui est bien, comme disait Daniel, je fais tout à l'envers, moi. Les canyoning, je les remonte. Et puis là, vous voyez, les gens arrivent et puis moi, je pars. C'est ça qui est bien. L'esprit de contradiction, moi, ça, j'aime bien, ça me plaît bien, ça. Voilà. Une vallée magnifique, magnifique. Dans la vallée, magnifique. La, 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 la. Voilà, j'arrive au parterre. Bah, cette nuit, il devait y avoir que ma voiture. Étant donné que j'ai croisé personne d'autre là-haut. Bon les amis, petit abonnement parce que le 28 juillet, n'oubliez pas que vous allez savoir combien que j'ai d'amis. Donc ça serait bien qu'il y en ait un peu plus. Oh, ça serait bien. Un peu plus que 300 quoi. Voilà. Donc, petit like, on partage, on commente. On aime parce que ça, c'est de la vidéo. Bon, je pense qu'elle va durer longtemps, celle-là. Ça, faudra pas m'en vouloir, mais là, j'ai vécu tellement de choses magnifiques. Je suis arrivé hier à 17h, là-haut. Enfin, je suis arrivé ici à 16h, au parking. Et voilà, je repars. Il est 10h moins 20. Ciao, ciao, les amis. À bientôt.